Je vais y arriver, moi. Bonjour à toutes et tous, ou re pour ceux qui étaient là ce matin. Il faut que je me réinstalle proprement, voilà. Ah là là! Bon, bah merci, l'adorable FunFan qui va pas tarder à faire un raid. Je vois des réponses. Tic, voilà. Alors, tac, nous on va faire du Resident Evil Zero. On va faire le mode spécial collecte des sangsues. Ah, merci pour le relais de chaîne, mon cher FunFan. Re ou bienvenue pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Voilà, on continue notre dimanche donc entre copains, ce que j'ai dit sur l'antenne de FunFan il y a 1 minute. Voilà, tranquillou, peinard pépouze, comme j'aime bien le dire. Alors moi je vous propose pendant 2 heures du Resident Evil Zero. Enfin je pense que ça va durer 2 heures en fait. Je laisse l'installation se faire sur du dernier jeu qui me reste à m'installer sur la PlayStation 3 pour vous faire la causette et vous laisser le temps d'arriver. On va se faire un mode spécial du Resident Evil Zero, qui est la collecte des sangsues. 50 sangsues par perso, c'est un mode spécial que j'ai fraîchement déverrouillé après le. D'avoir fini le scénario classique normal en facile. Et très motivé. Vous le verrez mieux que des mots. Et c'est C'est. un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. 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 Merci tout plein. Vous le verrez, c'est très intéressant comme. Ah, il est beau le Pokémon Dark Nitrika. C'est un mode très intéressant de jeu dans Resident Evil Zero. Moi, il me captive. Je pense que vous aussi devrez vous captiver au niveau spectateur, parce qu'il y a de l'action. C'est une action concentrée au cœur du manoir. Il n'y a pas les autres lieux que le laboratoire. Ou autre quoi, voilà, pour pas vous dévoiler trop l'intrigue pour ceux qui n'auraient pas vu la trame principale, mais c'est génial. Voilà, le temps que l'installation se fasse, je vais lancer le jeu. Clac, voilà, installation terminée. Waouh! Bah ça y est, j'ai l'intégrale jusqu'à l'épisode 6 de Resident Evil d'installer sur ma PS3. C'est officiel. Tout est dedans. Allez, Resident Evil Zero. Et là, il dit quoi? Ah oui, c'est la révélation, celui-là. On se le fera un jour aussi. Mieux bah, bienvenue, Dark Nitrika, alors. C'est la première fois que je te reçois sur ma chaîne. Je sais plus. Comme je sais qu'on a en commun fun fan. Bienvenue, bienvenue. Hop là, je mets bien mes oreillettes, là, mes écouteurs, parce que. Je les avais mal mises tout à l'heure quand je faisais du rallye. Il faudrait pas que dans une scène d'action je perde l'info sonore. Elle est très précieuse dans ce genre de jeu. Message de FunFan 1992. Bonjour et bienvenue à la communauté de FunFan XD. C'est ça. Bienvenue à ta propre communauté. Alors, je sais plus comment on fait. Alors, il y a le mode Wesker. Si je veux incarner Albert Wesker à la place du prisonnier Billy Cohen. Mais. Est-ce que je peux faire une nouvelle partie de mode? Non, il n'y a même pas. Ou alors c'est dans option. Mais non, ça peut pas être dans option. Je sais plus. Comment je suis obligé de charger la partie pour avoir le mode. Le mode chasse aux sorcières, j'allais dire. Chasse aux sangsues. C'est mon Alain Delon. Équilibre. Je sais plus du coup laquelle je dois charger. Je me demande si c'est pas la 20. Je sais plus. Ou la 19. On va voir. On va tester. Heureux, Bombastos. Voilà, ouais, Bombasto, j'aurai plaisir de te faire relais de chaîne tout à l'heure à 18h. D'ici là, on aura fait le point sur le tableau mystère.
Un quart d'heure avant la fin. Voilà. Chasse au sangsue. Papa. Vous devez survivre pour raconter ce cauchemar. M'en parle pas. Ça y est, déjà c'est parti. Alors, au niveau inventaire, ça va être chaud de ses chauds. Billy, est-ce qu'il a de l'artillerie lourde? Non, il n'a pas d'artillerie lourde. Alors, il faut repérer le poison et l'artillerie lourde pour faire le ménage. Et il faudra, dès que j'ai l'artillerie lourde, commencer à aller aux araignées. Parce qu'elles peuvent empoisonner et le poison, c'est un cauchemar à gérer. Vaut mieux tuer d'abord tout bestiaire, dont celles qui peuvent vous faire une morsure au poison. Parce que sinon, c'est l'horreur. Ah bah tiens, il y a déjà une arme là. J'ai joué un fusil qui clignote. Ouais, ça peut être pas mal le fusil. Ça peut être une bonne soluce. Je sais plus si dans ce mode spécial, j'avais fait le train. Oui, je suis plus blanc que d'habitude. C'est la lumière naturelle là, c'est pas halogène. Oh merde. Ah, j'avais pas fait ici. Et je suis déjà en train de déguster. Il y en a 650 là. Faut arrêter. Wow. C'est quoi ça? C'est pas une sangsue ça, si? Ah si, c'en est une, c'est pour Billy. Billy prend les bleus et Rebecca prend les vertes. On est bien d'accord, je peux pas aller au-delà. Donc. Attendez. Je vais incarner Billy. Billy va pouvoir commencer à prendre exceptionnellement quelques sangsues. Parce qu'une fois qu'on les prend, on peut pas les jeter. Ça encombre. Donc il y a combien de 50 par personnage, vous vous retrouvez avec plus qu'une case. Qui c'est qui est... Merde, qui est mal en point, je sais déjà plus. C'est Rebecca qui est pas en top forme. Bon, Rebecca va prendre la plante tout de suite. Au moins, ce sera fait. Utiliser Bastazar. Hop, c'est fait. Billy, il va prendre le fusil et on va, je pense, faire les araignées tout de suite avec le fusil. Parce que si les araignées se passent mal, autant que je recommence ma partie. Le R2 remake, merci pour l'info d'Aclitrica, mais je te cacherai pas que je suis pas prêt de le faire. J'ai d'autres en fait Resident Evil à découvrir. Mais ça finira bien par venir un jour. Merci de la suggestion. Utiliser, ouais, équiper. Équiper et il va carburer aux cartouches. Comment ça, je peux pas prendre cet objet? Je suis déjà encombré? Ah ouais, par rapport au... Oh la vache. Je vais l'échanger avec Rebecca. Rebecca, pardon, on va servir de sac. Excusez-moi du peu. Et... Ouais, alors attends, combiné, clac, tac, tac. Hop, du coup, je vais incarner Rebecca pour ce coup-là. Et les araignées. Les araignées tout de suite qui sont dans le portrait qui est coulissé là au niveau du grand escalier. Ceux qui m'ont vu dans le scénario normal savent de quoi je parle. Et les mygales m'ont porté préjudice hier dans mon premier essai à la découverte du mode. C'est-à-dire qu'elles m'ont empoisonné Billy. Et bah pas cool quoi. Parce qu'il est mort comme un caca. Donc de la plante bleue anti-poison, elle est à la sortie des escaliers. Voilà. Maintenant j'ai plus qu'à espérer que je vais bien défourailler les araignées. Voilà, ça commence. Mal. Et ça commence. Pas se faire mordre, c'est pas évident.
Je m'en sors pas trop mal. Il y a des mordus. Il n'y a pas de mordus. Il n'y a pas de mordus. Eh ben, il en reste une, je crois. Ouais. Barre-toi, Billy. Barre-toi, Billy. Et laisse la venir. Laisse la venir. Et on va se la faire au flingue. Sauf qu'elle vient pas. Bon bah, cuite. Bon, pas d'empoisonné. Pas d'empoisonné, c'est le bonheur. Ça s'annonce très bien. Alors, c'est quoi l'ennemi? Les macaques? Je pense qu'il vaut mieux qu'il les gère au fusil. Quoique j'ai pas beaucoup de balles, mais les macaques ils sont chiants. Examiner, n'importe quoi moi. Équiper. Hop là. Et je réincarne mademoiselle moi. Bon, c'est bien, il les gère à la cool. Tac 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 tac. Claire Redfield. Ah, c'est encore les macaques? Oui, bon, on peut rester au flingue. Je fais pause parce qu'en fait ça me laisse le temps de choisir l'arme. Wow, merci Billy. C'est quoi que... Ah non, c'est la lumière. C'est moi ou bien encore? Ah non, il gémissait de son... Bon, ici c'est un truc... Quoique, je vais peut-être pas prendre tout de suite. Hein. Il y a des balles de magnum, mais c'est quoi? Ah, ce serait le magnum? Ah, c'est tentant ça. Ah, est-ce que Rebecca prend le magnum? Pourquoi pas en attendant. Au pire, elle le jette dans une pièce centrale et je viendrai le reprendre si ça peut aider. Enfin, équipé, non. Je vais le prendre, voilà, mais je vais rester au flingue classique là. Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends déjà une première... Bah non, je peux même pas. Non, 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 bah je prends rien. Je nettoie les pièces et seulement après je fais la récolte tranquille, peinard, pépouze de tous les... Je perdrai du temps, hein, on est chronométré. Mais pour un premier succès, je vais essayer de la gérer. D'abord je nettoie et seulement après je ramasse. Ouh! Ah, le challenge est très intéressant. En plus, la musique, elle est haletante. Merde. Attends, Billy, suis-moi. Oh, les hunters, vache. Tu vois, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y a encore une arme à feu. Rebecca, il faut faire gaffe. Qu'est-ce que je fais? Je prends la plante sur place? Ouais, allez, je prends la plante sur place. Au moins, ça va me permettre de progresser. Utiliser. Utiliser. Allez, go. Je reviendrai ici plus tard. Donc, il faut être méticuleux. Il faut que je me dise que j'ai nettoyé les sous-sols d'abord. D'abord les sous-sols.
Ok. Alors je rappelle que j'ai gagné un chargeur de pistolet mitrailleur sans avoir l'arme en elle-même, ce qui est débile pour une partie normale. Ça correspond à la mauvaise note, la E, que j'ai eue hier. Donc si je pouvais ne serait-ce qu'avoir D, je serais flatté aujourd'hui. On va voir comment je m'en sors. Mais le coup d'avoir bien géré les araignées, ça me donne un... du réconfort, on va dire. Je vais faire partie chaudière. Partie chaudière, quand on parle des sous-sols de la demeure, c'est encore un autre accès. Et je vais faire le ménage là, comme ça je me dirais que c'est réglo au niveau du sous-sol, tout simplement. Alors, les zombies, bonjour. Non, là je regrette pour Billy, j'aurais dû lui dire de passer au petit flingue. Équipe-toi du petit flingue. Voilà, c'est mieux. Rebecca, tant qu'à faire. Hop, on recharge manuellement in the menu. Synchroniser le tir, la classe. Ah, il faut gérer les clés, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les clés feu et clés eau. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant. Et j'ai pas de clé dans l'immédiat. Mais ça reviendra. Ah oui, il y a le couteau qui peut servir si je suis à poil. Il y a deux couteaux répartis dans le manoir là, dans ce mode là. Je m'en souviens, ils ont chacun leur, j'ai envie de dire. Ouh. Alors. Hop. La cave. Derrière la chaudière. Y a rien? Ah, je m'attendais à avoir des ennemis. Ah, me disais aussi. Punaise. Alors, je vais faire la salle là. Ça suspend, ça soutenable. Alors c'est quoi? C'est des zombies. Merde. Ah, je panique. Je ne devrais pas. Oh la vache. Bon, il n'y en a que pour Billy par ici, mais au moins c'est nettoyé. Allez, la suite. Évidemment, les chauves-souris. Les machines à écrire avec les rubans encore ne servent à rien ici. Vous n'avez pas le droit de sauvegarder. Sinon, il n'y aurait pas de suspense. Est-ce qu'elle m'a empoisonné, la vilaine? Non, j'ai du bol. Elle m'a donné un coup, mais sans me cracher du venin. J'ai vraiment du bol. Cool. Alors, on va faire rapidement la petite salle là, et après je serai en face. Oh, pas de poison à gérer, c'est bien. Là, il y a les grillons, je crois. Il y a les grillons, il y a les grillons. Alors, qui c'est qui est mal? Encore Rebecca? Oh, Rebecca, je suis déçu. Allez, Rebecca, hop, mange. T'aimes ça, une petite salade. Allez, hop. Zou.
Là, je sais plus ce qu'il y a dans comme bestiaire. Hunter? Ah, je crois qu'il n'y a rien en fait. C'est étrangement calme en fait. Donc il y a une gemme pour Rebecca. Donc c'est nettoyé ici. Ok, j'y reviendrai au moment de la récolte. Parce qu'à l'opposé, je sais qu'il n'y a rien. Je sais que c'est la grille est fermée. Et... Il n'y a pas d'entité, on va dire. Quelle qu'elle soit neutre ou hostile, il y a que Pouic. Il y a que Pouic. La 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 la. Donc, il me reste la partie de la vasque. Avec les nanimo, faut que je fasse la partie là que j'ai pas faite. Hop hop hop. Merci. Putain, vache. Donc je vais commencer par la porte du fond. Après je ferai la porte sur le côté. Je crois que c'est des zombies sur la porte latérale. Ah là aussi. C'est ma première zombie partie. Oh. Oh, oh, oh. Ça va? Y a plus? Y a plus. Ok, le ménage est fait. Il y en aura pour tout le monde ici. Il y a contre le poison aussi. Non, il n'y a que des vertes. Il n'y a que des plantes vertes. Et tout le monde est ok. Très bien. La suite. Allez, on continue le nettoyage. La porte latérale. Et après, officiellement, les sous-sols sont nettoyés. Tac, 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 attention. Bonjour et merci Dragon Sky pour l'hébergement. Je viens de voir l'alerte. Textuelle, du moins. Ah, il y a un membre des Stars. Faudrait pas qu'il se relève. Rebecca. Ah, la John Magnum. C'est vrai que c'est un bon flingue, mais... Parce que ça, c'est quoi comme flingue? Ah, bah non, c'est le lance-pépon. C'est le... Ah, c'est vrai que le lance-pépon, il était meilleur que le fusil à pompe. Donc le fusil à pompe, il va le laisser. Et je vais dire à Billy Patoun, ouais. Et un hébergement, ça fait plaisir. Merci Laï, merci Laï, merci Laï, merci Laï. Parce que voilà, il y a plein de munitions dedans, donc c'est cool. Donc il va défourailler avec grande violence. Encore merci à toi, Dragon Sky. Donc la vie c'est bon machin. On a fait le ménage, les sous-sols sont propres. Voilà, donc c'est cool. Maintenant, on va faire étage intermédiaire. On va faire rez-de-chaussée. On va faire le rez-de-chaussée. En fait, c'est une énorme liberté que de pouvoir manipuler les objets, avoir de la place dans l'inventaire. Et n'oubliez pas qu'il y a les clés à gérer. Il y a les deux fois la clé feu pour deux portes feu et une fois la clé eau, je crois. Je crois qu'il n'y a qu'une porte eau. Et voilà quoi. C'est pris en compte. J'espère que je vais avoir mieux que la lettre E en notation. Là, il faudra que j'essaie de récolter toutes les... Faut vraiment que je mémorise ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Putain, j'ai oublié qu'il y en avait dans le couloir. J'avais oublié. J'avais oublié. Ah, il y a les corbeaux. Je vais devoir gérer les corbeaux. La première fois, j'avais très bien géré. Je sais pas si ça va être le cas. C'est des hunters. J'aime bien. On voit l'explosion avec Rebecca.
Alors, attention Rebecca. Et je crois qu'il y en a encore un autre. Et voilà. Merci Billy. Oula. Donc, Rebecca, elle va pouvoir manger. Et un hébergement, ça fait plaisir. Merci Laï. Merci Laï. Merci Laï. Merci Bombastos pour l'hébergement, merci. J'arrivais plus à suivre, j'ai dit pourquoi j'ai autant d'alerte là, bon. Je suis laissé par bugger. Utiliser l'échelle, oui, alors ça c'est plus le rez-de-chaussée. Mais je vais avancer, donc je vais pas m'en plaindre. Je vais pas m'en plaindre. Non, 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 Billy. Arrête de faire usage du gros flingue là. Là tu vas faire du gâchis mon garçon. Hop, retour. Pour la classe. Oh oh oh. Il y en a un qui se déplace joyeusement. Attention. Oh, c'est dur. C'est bon, là normalement c'est un mur, on est d'accord. Tac 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 tac. Et là il va me dire que j'ai déverrouillé le bordel. La porte. La porte est déverrouillée. Très bien. Très bonne chose. On y croit, on y croit. Le défi est relevé. Là, il n'y a personne dans la salle, là, je m'en souviens. Il y a, je crois qu'il y a du matos et encore pas sûr. Attention. Ah, alors pas cool du tout. Pas cool du tout. Équipé de ça. Impossible de s'équiper maintenant. Bah oui. Il est pris dans l'assaut, le pauvre. Il est pris dans l'assaut. Ouais. Il va falloir que je l'incarne et que je me débatte. Rebecca, tire dessus. Tire dessus. Tire dessus. Vite. Merci. Oula, attention. Bien joué. Ok. Ok, le ménage a été fait là. Faut que je mémorise. Faut que je mémorise, faut que je mémorise. Non. Ah. Ah. C'est pas le bon flingue, c'est des zombies classiques. Donc on revient au flingue. Alternativement, on fait que ça, c'est terrible. C'est terrible. Ça demande beaucoup de concentration. Ou bien, la tête qui gicle, il n'y a pas mieux. Je crois qu'elle va avoir le meilleur flingue, ouais, Rebecca, c'est bien. À défaut du magnum. Donc, et là je crois qu'il y a des plantes. Ah oui, un spray. Est-ce que quelqu'un est pas bien? Non, tout le monde est bien. Donc je vais laisser le flingue classique ici. Et je vais lui demander de prendre le flingue amélioré qui fonctionne également avec des balles de 9 mm. Allez ma grande. Voilà. Équipe-toi-en. Ouais. Là tu es redoutable. Ça c'est une bonne chose. Là je crois qu'on peut pas y aller. Ouais, c'est la chambre de l'échiquier avec les gaz. Et en fait elle est condamnée dans ce mode là. Elle est condamnée. Oui, apparemment certains d'entre vous, vous êtes vachement décalés.
Bah, l'essentiel, c'est que vous offrez des bons moments. Hop, hop, hop. Billy, tu es en droit de pas combiner, mais de t'équiper de... Ah bah oui, il est en train de tirer, donc il a pas de... Bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, parce qu'il va y en avoir d'autres. Donc équipe-toi, mon cher Billy. Merci, mon cher Billy. Retour. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Oh là là, elle est en train de se faire massacrer la peau. C'est bon, c'est fini. Elle a bobo bobo Rebecca ou Ah, la bobo bobo. Elle s'est bien fait griffer. Ok, et là, il y a la porte feu, ouais. Oh là là. Ça, est-ce que je peux le faire? Je crois, hein, oui. Pas évident ce mode, il est très intéressant. Très très intéressant. Ah mais merde! Immirdoum, c'est pas la bonne arme. D'ailleurs, il faut que j'incarne Rebecca. Là, c'est bon. Donc, il y a lui, là. Enfin, 6 points. Wow! Ah. Ah mais c'est le facteur, il était en truc bleu. J'ai reconnu monsieur le facteur. Uniforme bleu de travail avec la casquette. Alors. Oh merde. L'autre qui me trouve déjà à croquer, c'est scandaleux. Je sais pas si... J'étais pas monté la dernière fois. Il y a... On voit pas. Il y a des trucs ou c'est nul? Bah il y a pour monsieur mais bah autant incarner Billy quoi, comme il a déjà un emplacement de prix pour les sangsues. Au moins celles-ci elles seront faites. Allez go. Est-ce que pousser l'armoire l'étagère vaut le coup? Je sais pas. Déjà si. Réussir à ramasser, à mettre le pied là où il faut pour ramasser le... Il y a un cadeau ou pas? Oh les salopards. Oh les salopards. Ils l'ont planqué dans le décor. Alors celle-là, il faut que je m'en souvienne. Je vais incarner Rebecca. Attends, 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 attends. Ah oui, attends, mais il y a un truc dans le Schmilblick. Pause, 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 pause. Attends, 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 c'est quoi ça? Ah bah oui! Bien sûr que je veux des balles de pistolet. Oh, je vais pas dire non à des munitions, dis donc. Ça, c'est quoi? C'est rien? Non, c'est rien. Bon, bah, je peux considérer cette pièce-là comme faite, du coup. Oh la vache, les salopards! Comment qu'elle a été planquée? Tu sais, t'en as 99 et la centième. Va la trouver. Attendez, pause. Je me suis foutu un coup dans l'œil. L'abruti que je suis. Pardon. Voilà. J'espère que ça va pas me démanger à l'œil maintenant. Oui, tant que c'est fait, je peux prendre celle-là. Hop, je réincarne Rebecca. Est-ce qu'il y a une plante verte ou pas? Ah bah là encore, c'est du bleu ça, non? Oui, bah prends-la. Allez, hop, comme ça. D'où le mec en casquette bleue, le postier. Le postier, il était là. Le postier, il était là. Oh, putain, il y en a même une verte pour Rebecca ici. Donc je reviendrai. Il y en a, oui, il y en a une autre là. Je vais pas commencer à les cumuler pour Rebecca parce que faut que je garde les emplacements d'inventaire libres pour les clés. Hop, 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 hop.
C'est la portefeuille. Il faut que je mémorise. Faut que je mémorise. Avec le coup de la portefeuille, le couloir machin. Ok. Tac, tac, tac. Donc, on continue le nettoyage. Je sais même plus où est-ce que je la trouvais, la clé feu, d'ailleurs. À mon avis, ça va être dans l'aile opposée. N'y avait pas une clé sur le pupitre principal? Non, il y avait juste une pour Billy. Il y avait une de ses sangsues. Donc on va reprendre l'escalier principal. J'ai dit le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, il faut que je fasse l'aile ouest. Je ne l'ai pas faite, l'aile ouest. J'ai pas fait encore les corbeaux. Les corbeaux vont me stresser. Les corbeaux vont me stresser. Ah, j'ai entendu un truc. Mais je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des zombies sangsues. Ils sont chiants. D'ailleurs, on va faire plus simple. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir. Voilà. Et comme ça, c'est bon. Oh merde! Ouf! Radical comme désinfection. Attends. Faut pas que je la mette en danger non plus, Rebecca, mais... Ouais, bon. Là, elle a droit à un spray, là. Vas-y, utilise un spray parce qu'elle commençait à virer au rouge. Elle était pas bien, la grande. On va là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est les corbeaux? Je sais plus. Il y a au moins une pièce avec des corbeaux, je sais. Mais là, c'est quoi? Je sais pas. Donc j'ai envie de rester par la grosse arme par défaut. Y a rien, c'est juste une salle de soins. Ok. Alors, c'est juste une salle de soins, il n'y a même pas de gemme. Non, déconne pas. Il n'y a même pas une sangsue à récupérer. Ok, c'est la salle du vidéoprojecteur, il n'y a même pas de sangsue. Bon, pourquoi pas. Vas-y Billy, fais ton taf. Oups. Ah si, tu l'as eu. Ouais, à cause de l'angle, c'est vicieux. À cause de l'angle, c'est dommage. Il y a eu un gâchis de munitions en fait. Alors, j'ai vu que le zombie sangsue a cramé, mais c'est... Il y a eu du gâchis. Non, fusil, il s'en sert plus du fusil. C'est sympa, mais là, non. Donc, attendez, c'est... Je sais plus. Donc ça, on a fait. Ça, il n'y a pas machin. Eh ben, voyez. Étage supérieur. Mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai toujours pas récupéré la clé. Ni la feu, ni là-haut. À mon premier essai. J'avais eu la clé feu, mais je sais plus comment. Oula.
Non, c'est bon. Alors il y a un flingue, il y a du... Il n'y en a que pour Billy. S'il n'y en a que pour Billy, je vais lui dire de ramasser les gemmes maintenant. Bon bah Billy, tu ramasses les gemmes. Rassure-moi, t'en es pas à 8. T'en es à 6, ça va. D'ailleurs, on va être très astucieux. Tu vas t'équiper du flingue, voilà. Du flingue rechargé, ça peut aider. Ouais, prends. Le flingue d'ailleurs, c'est un amélioré pour Billy ou pas? Je pense que c'est le même pistolet, donc j'ai envie de dire non. Non, non, le prends pas du coup. Il a son flingue, il est bien. Vas-y, vas-y. Ah, c'est sur la plante. D'accord. Comme un fruit. Ils ont de l'humour. Bon, ça c'est fait. Allez hop, Rebecca, on l'incarne, on se barre. Allez, une, deux, comme à l'entraînement. Chez les Stars. Cette musique de fou. Attends voir, il n'y a pas des gemmes dans le couloir là, mais partie supérieure. Non? Ils auraient pu être sadiques, hein. Et en mettre une, hop là, bien planquée, là où on va jamais. Bon, alors. Ça commence à me stresser de pas avoir la clé feu. Elle était où? Oh la vache. Ça en fait des trucs à ramasser. Mais où est la clé? Il y a la partie télescope que j'ai pas faite non plus. Et c'est peut-être d'ailleurs au télescope qu'il y a la première clé d'ailleurs, finalement. Planquée au... Très très loin. Et je crois que normalement après j'aurai cette branche-là, si je puis dire. Une fois que j'aurai fait ça, j'aurai nettoyé tout le manoir en fait. J'aurai plus qu'à faire la chasse aux œufs en fait. Et on verra mon score quand j'aurai les 100. Là, c'est la porte bleue haut. Mais où est la clé? C'est ça qui me bouffe. Je me souviens plus comment j'avais eu la clé feu, moi. Ah, oui, le mode est captivant, il est bien pensé. Et astucieusement, en donnant du bon challenge, il prolonge la durée de vie du titre, en fait. Non, non, c'est un régal. Ah si, je me disais bien qu'il y avait des ennemis. Bon, c'est bon. La porte du fond, je me souviens qu'elle s'ouvre pas. Elle est condamnée. C'est quoi ça? Attends, j'ai vu un truc sur le sol, mais je sais pas si c'est une gemme ou si c'est une munition. Ah, munition. Bah oui, elle carbure au magnum. Et pas le bâton glacé, comme dirait Devil Alive. Devil Olive, pardon. Il m'a fait la vanne la dernière fois. Alors, merde, devant toi Rebecca, merci. Hop, et j'ai plus qu'à tirer vers le bas quand je fais face à l'échelle. C'est terrible, mais ça fonctionne. Donc là, ça marche pas, on est d'accord, c'est condamné. Hop, elle recharge Rebecca, tac, on descend. Je crois que c'est là qu'il y a la clé. Non? Je sais plus. Il y a des joyaux, il y a des joyaux, il y a de la plante. Alors attendez, les plantes. Elle est ok. Alors, je suis embêté. Parce que je ne sais plus. J'ai le droit à la carte? Oui, j'ai le droit. Je sais plus où j'avais trouvé la clé prout prout.
Attendez. Ouais, le truc de c'est verrouillé. Les portes haut, machin. C'est quoi les points? C'est des flingues, ok. Bah oui, c'est toute la partie avec la porte verrouillée. Ce que j'ai pas accès là pour le moment. Encore que non, il me dit que c'est pas verrouillé. Merde. Ah, donc il faut que j'y retourne. Sûr. Mais non, c'est une porte haut normalement. Bref, je sais où aller en fait. On va y aller. Alors, ils vont bien, c'est l'essentiel. Go. J'espère pas trop perdre de temps. Vite, 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 vite. Je réfléchis à pas me louper dans ce manoir de fou furieux. Et là, hop, si j'ai pas de bêtises au niveau de la carte. Ok, donc il faut que j'aille là. Et c'est bizarre qu'il me l'annonçait en jaune dans le... J'ai accès à la bleue? Ah oui! Ah oui, elle est pas... Je me suis mis une barrière psychologique. Je me suis dit c'est la porte haut, j'ai pas la clé haut, je peux pas passer. Erreur de ma part. Oh merde. Billy. J'ai besoin de toi, Billy. À toi de t'en charger, mon garçon. Vas-y, je te pousse. Oh, très bien. Oh. Je vais faire la porte en face. Je me fais peur, donc du coup je zappe. C'est bon, tu peux y aller là. Eh oh, 4, ça va, tranquille. Faut pas abuser non plus, c'est pas un boss. Les munitions sont précieuses, mince. Oula. Ok. 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 C'est pas là qu'il y avait la clé feu là, je sais plus quoi. Non, attends, 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 attends. Bizarre. Billy, 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 bouge ton boule, Billy. Bouge, bouge ton boule. D'alors, est-ce que c'est au fond de cette pièce? Non, non, j'ai pas là. Donc on va nettoyer les autres pièces. Mais c'est là où on prend conscience que le manoir il est grand. Hein. Il est bien pensé. Il est vachement grand. Il y avait une porte au bout. Ah oui, il y avait une porte là. J'ai failli l'oublier. Des zombies, oh, pas besoin d'y aller au. Mais oui. Hop là. Ah si, il y en a un qui rampe.
Mazette. Et là, il n'y avait rien. Si, il y a les satanés sensus à droite à gauche. Donc, tac, 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 tac. Mais les portefeux sont bien verrouillés. Mais où était la clé? Je sais plus. Je sais plus du tout. Alors le bar, on l'a pas fait. Attention, qu'est-ce qui nous attend là-dedans? C'est une pièce moyennement grande. Ah, il y a un zombie au sol. Un classique. Enfin, des zombies. Ah, il y en a encore un autre là-bas. Et dans la cave à vin, non, il n'y a rien. Il y a ça, ok. Bon, la bille peut prendre la boule là. Billy, il en a combien? Ouais, il en est à 9. Bon, il va ramasser celle-là, mais il sera attaqué, quoi. Enfin, parce qu'il peut y avoir que 10 sangsues par case. Donc que chaque perso doit en récupérer 50 chacun dans sa couleur. Ce qui fait qu'à la fin, vous vous retrouvez avec juste un emplacement de dispo dans le... dans l'inventaire. Où est-ce que j'avais trouvé la clé feu hier? Je sais plus. Je suis bien embêté là. Il me reste la salle là qu'on n'a pas faite. Vous allez voir que c'est la dernière salle que j'ai pas nettoyée où il y a la clé. Aïe aïe aïe. C'est quoi? C'est des zombies? C'est quoi? Ah oui, c'est des zombies. Ah oui, mais attention. C'est des zombies sans su. C'est pas cool là. C'est pas cool là. Bien joué. Il n'y en a pas d'autres. Bon, c'est nettoyé. Où était la clé? Merde, je me souviens plus de la position de la clé. Qu'est-ce que je fais? Oui, je vais me lancer dans la... dans la récolte des sangsues, là. Attendez voir. Carte. Que je me plante pas. C'est quoi l'objet Oui, là, c'était la verte que j'avais refusée, mais je vais y aller, je vais y aller. Je vais y aller. Il restera deux salles verrouillées. Deux salles verrouillées. Trois salles avec les portefeux là. Ça fait trois salles verrouillées. Ah bah non, non, il y en a une qui compte pas, c'est la salle gaz échiquée, c'est celle qui est arrondie là. Celle-là, elle est condamnée, elle servait à rien. Donc j'ai deux salles avec la clé feu qui. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Oui, il y a sous-sol aussi à gérer, c'est vrai. C'est vrai, il y a le sous-sol. J'ai quoi là? J'ai un fusil. Ok. Et je suis... pardon, attendez. Je réfléchis. Centre de formation, je suis là. Si j'ai des emmerdes, il vaut mieux que je réunisse mon matos dans le hall d'entrée. Donc je vais aller déposer tout mon matos dans le hall d'entrée. Garder juste un flingue pour chacun des persos. Et on va faire la chasse aux œufs. C'est-à-dire les sangsues colorées. On va faire ça dans un ordre méticuleux et j'espère que je vais vite retrouver l'emplacement de la clé feu là. Pour accéder aux deux dernières salles. Ah, c'est terrible. Le pire c'est que j'avais eu naturellement la dernière fois. Mon premier essai hier. Je sais plus où est-ce que. Comment je l'avais eu. Je sais plus. Elle m'a échappé du regard là. Dans les objets qui clignotent. Qui scintillent. Non, reviens par là, Rebecca.
Mon score va être dégueu, mais si j'arrive à boucler pour une première fois avec les 50 sangsues, enfin les 2 fois 50, c'est, je serai heureux. Alors. Ouais, vraiment dans le hall d'entrée. Alors, attendez. Rebecca d'abord. Rebecca, tu recharges une dernière fois. Finalement, le magnum, elle s'en est pas servie. C'est con, mais elle s'en est pas servie. Donc, laissez. Ouais. Laissez. Et des balles, laissez. Je vais garder jusqu'au dernier moment le spray. Il serait peut-être malin que je dépose un spray devant chaque porte verrouillée. Ah, c'est dommage, hein. Il est cool le joujou là, mais je vais le laisser. Oh, putain, j'ai plus de place dans la pièce là. Merde. On va commencer le sous-sol par le là où il y avait les araignées. Et Billy va foutre son matos dans le... dans le couloir là. Je crois qu'on peut mettre que 6-8 objets par pièce, entre grosses guillemets. Alors attends, Billy, est-ce que tu peux abandonner ça? Laisse... ouais. Tu combines rapidement une dernière fois, tu charges. Et ensuite tu laisses. J'espère que je vais pas me faire entuber. À dire, les balles dans mon chargeur suffiront pas pour les derniers ennemis dans les pièces feu. Il faut que je le termine au couteau. Faudrait peut-être que astucieusement, quand je sors d'une des pièces feu, si je vois qu'il y a eu trop d'ennemis, que j'ai plus assez de balles, quelqu'un prenne un couteau et que ça se finisse. Parce que si je me retrouve à poil devant le dernier ennemi, c'est terrible. Capcom serait capable de faire un couvage comme ça, à mon avis. Allez, on y croit. Allez, maintenant, chasse aux œufs. Alors, je vais commencer du tout du fond. Et on va remonter dans l'ordre. Tac 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 tac. Ok. Mais où j'avais mis la main sur cette foutue clé? Ah. Oh. Si, il y a une salle que j'ai pas faite. C'est la salle où elle monte sur le meuble où il y a de la lumière normalement. C'est là qu'il y avait la clé, je crois. Mais je crois qu'il n'y a pas de zombies dedans. Au pire, s'il y en a un ou deux, deux, trois balles bien placées et terminé. Si, si, il y a une pièce que j'ai pas nettoyée qui m'est accessible. Bon, allez. Allez. On y croit. On commence, Rebecca. Tac, tac, tac. Faut ouvrir grand les yeux. Moi, ça fait déjà une heure que je suis sur le mode. Fâche. Non, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Go. Go, go, go. Merde. Ah. Suspense. tac 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 tac. Ici il n'y avait rien. Non. Ça c'était pour Billy. Ouais, il y en avait, j'ai envie de dire, que pour Billy là. Donc les munitions de fusil et de fusil, on s'en fout maintenant. Ça me fait bizarre de dire ça, mais on s'en moque. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui brille, non? Ou c'est le jeu de lumière au niveau du... Ah, c'est le jeu des ombres. Merde, j'ai perdu ton bêtement.
Elle était pas dans un meuble, la clé. Il faut bien penser à cliquer sur le mobilier, je crois. Vous allez voir que c'est l'oubli de la clé qui va courir à ma perte, qui va causer ma perte. C'est chaud. Hop là. Et bleu, c'est pour Billy. Alors attendez. Oui, non, là, après, c'est Rebecca. Parce que c'en est une verte. C'est pas évident. Hop là. Ouais, le temps passe vite. Ouais, il est déjà 17h. Glouglou, moi, ou pas glouglou? Ah, j'ai du glouglou, moi, dans ma tasse. Pardon. Sous-sol, sous-sol, sous-sol. On pense dans l'ordre. Sous-sol, sous-sol, sous-sol. Je sais plus ce qu'il y avait dans le côté du train, je sais déjà plus. Il y avait les hunters, donc c'est qu'il y avait forcément du matos dedans ou des gemmes. Enfin des gemmes. Des essences à récolter. Donc faut que je retienne qu'une tentative de ce mode-là, c'est 1 h 30, voire 2 h. Ça fait entre guillemets un gros bouche-trou, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Il n'y avait pas de gemmes ici où je les avais déjà ramassées. Merde, j'ai perdu du temps complètement. Bon, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est juste que j'aurais perdu 30 secondes. Bon, voilà, je suis pas non plus... Attends, attends, attends. On n'a pas vu tous les plans d'ailleurs. Non, ça va. Il m'aurait mis une gemme là, je l'aurais eu dans le baba. On reste concentré. Comme le lait. Ah mon Dieu! Là, y a rien de toute façon. Non, il n'y a que plus qu'un. Bon. Alors, sous-sol, c'est fait. Où est-ce que j'avais trouvé la clé La clé feu, je m'en souviens plus. Oh merde. Oh là. Tac, 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 tac. Sous-sol, sous-sol d'abord. Méticuleusement sous-sol. Il y a une partie sous-sol où j'ai pas fait la récolte. D'ailleurs, les dernières gemmes, à mon avis, ce sera celles qu'on a vues sur les chaises. Donc ça, quand je me dis que j'ai tout à 99, off, j'ai plus qu'à ramasser sur les... Ah, est-ce que Billy prend le couteau? Ouais. On sait jamais. Si je suis à court de munitions, c'est un garde-fou. C'est un garde-fou. C'est une garantie, ouais. Monsieur Billy, vous avez une récompense sur cette petite table. Servi sur la neuf, s'il vous plaît, une sangsue bleue, merci. On est bien d'accord, elle est verrouillée. Vous avez, oui, c'est fermé, vous n'avez pas la clé. Est-ce que Rebecca peut... Ah, elle peut déjà la prendre en tendant le bras. Ça va, c'est réaliste. Bon, ça c'est fait. La chaudière, la troisième et dernière partie des sous-sols. La chaudière, la chaudière, la chaudière. Alors pour pas me faire avoir, je vais d'abord faire l'extension rapide sur le côté. Et puis hop. Oui, voilà, déjà qu'il y a ça. On va alterner avec Billy, autour de Billy. Je suis désolé hein, pour l'alternance de fenêtres, de je clique partout, mais c'est le jeu. C'est le mode qui veut ça. J'ai envie de dire, vous n'avez pas intérêt à être épileptique. Encore que ça va, il y a pire. Mais c'est que ça, que ça, que ça. Menu, 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 menu. Là, 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 là. Ah oui. Il y en a pour Rebecca. Et on est d'accord. Quand j'incarne Billy. Ah, j'ai bien fait de bouger Billy. J'aurais pu oublier une cochonnerie. Ah, ça me met en joie. Je reviendrai peut-être là pour faire l'échelle après remonter
Quoique vous me direz, c'est déverrouillé, non? Non, j'ai déverrouillé. Ouais, je repasserai dans le sens contraire tout à l'heure. C'est pas grave, depuis la salle de réunion, c'est pas un souci. Chaudière, 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 chaudière. Alors là, il y a quoi? Là, il y a que Puik. Ah, là, il y a quelque chose. C'est pour qui? C'est pour Billy. Oui. Rappelez-moi de refaire ce mode de jeu, ne serait-ce que pour le week-end de Pâques. Voilà. C'est... Aïe, aïe, aïe. Alors... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est un petit Kirby. J'irai plus 16h30 l'heure du goûter, mais si tu veux. J'allais dire, tout le monde est décalé ici, donc je réponds plus de rien. Niveau horaire. C'est short de mon direct et là je vous déclare. Oh, je vais prendre mon petit déj. Tableau mystère. Le tableau mystère qu'on retrouve dans 45 minutes, je pense. Enfin, un petit peu avant 18h, voilà, avant de faire le relais à... Oui, je vois que t'es fan du son. Non, mais t'as raison. De temps en temps, de le lancer, t'as le droit. Comme tout à chacun. Voilà, je sais plus ce que je voulais plus dire, du coup, tu m'as coupé la chic, mais c'est pas grave. Faut que je reste concentré surtout. On est d'accord que là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Mais je voulais vraiment être sûr. Et c'est pas en haut que dans l'armoire qu'il y a par exemple, ils ont foutu la clé feu. Comment j'avais mis la main sur la clé feu? Moi, je sais plus. Ouais. Attends voir. Là. Ah bah si, il y a un truc en plus. Ah bah oui, j'ai bien fait de revenir. L'armoire, je peux pas interagir? Non, je peux pas. Dans le scénario, il y a un truc habituellement. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. C'est des pistolets mitrailleurs complètement pétés. On s'en fout. On sort de là. Hop. Hop, 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 hop. Le tableau mystère. Bon, ça c'est fait. Ok, on va aller autour de la vasque aux six animaux là. La maudite énigme. Billy, c'est la pièce à Billy. Billy, là, il s'en met plein les fouilles. Il y a plein de sangsues bleues. C'est pour lui. C'est pour lui, chez Kadosh. Oh là, il y en a même encore une là. Où est-ce que j'ai trouvé cette fichue clé feu? Ça finit par me travailler là. Je progresse, progresse, progresse. Mais... je sais plus où j'avais mis la main dessus. Bon, ça c'est fait. Il reste l'entrée près des vasques de feu. Voilà. Alors, je vais d'abord faire au fond et après je ferai le truc latéral. Cette musique. Les feux. C'est pas là qu'il y avait la clé feu d'ailleurs. En disant je fouille et puis tiens je trouve non, il y a quelque chose dans la mallette, non? Hop, ça c'est fait. Hop, ça c'est fait. Hey.
notre célèbre tandem de kleptomanes. Ils volent tout. Y a rien là, on est d'accord. Là, y a rien. Oh là là là. Où est-ce que c'était, Mazette? Je suis dans le doute. Hop là. Pouille, 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 pouille. Y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a pour Rebecca. C'est quand même pas dans la cheminée. Non? Non. Mais je pense qu'elle était en surveillance. Mais c'était la pièce que je vous ai décrite. Celle que j'ai oublié de faire avec la lumière, là, avec la tête de cerf dans la cheminée. Et il faut faire une combinaison avec un meuble à pousser entre deux. Et la pièce-là, je l'ai pas faite au manoir. Je l'ai zappée. Je sais pas comment, mais je l'ai zappée. C'est pas cool. C'est... Ça va me porter préjudice. C'est idiot, mais... Oh, j'espère que je vais avoir mieux que la note E. Parce que je vous rappelle que j'étais mort hier. Empoisonné par une araignée, Billy et Quick. Mais là, si je finis à récolter les 100 sus... attendez. Comment ça, oups? Qu'est-ce qu'il y a fait le fan? Pourquoi j'ai lu oups de ta part? Ah oui, c'était le son. Oui, c'est vrai. T'avais balancé le son dans le chat. On peut aller par en haut. Allez, hop. Ah, c'est pour Billy celle-là. C'est pour Billy. Oh là là, il y en a plein sur les bords. Alors ce qui va être marrant, c'est dans bien plus tard, hein, c'est-à-dire d'ici des mois, peut-être d'ici 2-3 ans, je vous referai la même histoire, mais du point de vue Rail Shooters, avec la PlayStation Move que j'ai la chance d'avoir sur la console. Et vous reverrez les décors, mais façon tir FPS, quoi. C'est rigolo. Ah, c'est pour Rebecca la verte. Vas-y ma grande. Hop là. On retourne avec Billy. J'espère que ça vous donne pas la nausée. Je suis désolé. Ah non. On retourne pas avec Billy. J'aurais dû garder Rebecca. Rebecca, on a deux pour elle. On nettoie bien les lieux. Le mode femme de ménage. N'importe quoi. Puis il faut tout faire. Faut tout faire, je sais plus. Attends. Alors, attention, il y en a pour Billy. Il y en a pour Billy. Merde. Ah. Hop, ça c'est pour Billy. L'autre ce sera pour Rebecca. On est d'accord que c'est la porte avec l'échiquier, donc on peut pas y aller. Hop, ça c'est pour Rebecca. On alterne à nouveau avec Billy. Merde. J'aime bien son hochement de tête à Rebecca. Voilà. Tac 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 tac. C'est la clé feu qui va me porter préjudice. Je la sens pas. Je la sens pas. C'est ça. C'est à moitié récompensé, la G, j'ai envie de dire. Alors là, il y a du verre. Là, il y a un spray, il y a un flingue, machin. Ok. Et il n'y a rien d'autre dans la... Ok, dans la pièce. Donc Rebecca va prendre la verte. Hop. Hmm.
C'est pour Billy, la bleue. Oh la vache. Il va falloir faire la pièce là aussi. Mais, enfin, j'allais dire... Je pense que les meilleurs à ce mode de jeu, c'est ceux qui arrivent vraiment à séparer le tandem. Ils vont chacun d'un côté, quoi. Putain, j'ai l'impression que ça clignote de partout. Elle est pour Billy, celle-là. Ouais, sur le pupitre. Elle est pour Billy. Elle est pour Billy. On réincarne Rebecca. J'espère ne pas avoir oublié de son su là, on va collectionner. Message de FunFan 1992, Dark Sage de Nancy. Oui, je sais, on voit plus mon visage, mais ça n'a que peu d'importance. Ah! Attends, voir la salle là, il faut qu'on la fasse aussi. Donc là, on avait fait. Il y avait du bleu, je crois, pour lui. Ouais. Et Rebecca, faut qu'elle récolte les siennes. Il y en a une là, je crois. Ah oui, elle est... Non, il faut que je fasse le tour et que j'aille dans la passerelle. Ok. Oh, c'est vicieux. On en est à combien, tiens? Attendez, on va faire les comptes. Oh, il n'y en a pas beaucoup. 26, j'aurais dit plus. Lui, il en a déjà 34. Oh la vache. Dur. Dur, dur, dur. Non, ça va. Non, non, les yeux, ça va. Merci, Bambastos. Ça va, ça va. Oui, c'est impressionnant pour vous, je le conçois. Mais moi, j'ai de la bonne lumière, là, ça va. C'est juste qu'elle n'est pas en direction de la webcam. Donc, je suis dans un contre-jour, on va dire. Là, ma pièce, elle est encore bien éclairée. Ouais. Et là, il va me dire que la porte est fermée. Bah oui, c'est fermé, symbole fou. Et merde. Ah, j'avais même pas vu au sol pour Rebecca, décidément. Rebecca, dans le bon sens, merci. Allez, go. Alors, est-ce que je me laisse un indice? Est-ce que je laisse... Ouais. Je vais laisser ici pour dire qu'il faut que je revienne ici pour la clé feu. Enfin, la porte feu. Voilà. Comme ça, hop, je libère du poids. Je vais aller à l'opposé. Est-ce que... Je vais être certain qu'il n'y a rien. Il y a un truc au bout. Merde. N'oublie pas que c'est la clé. Ah non, c'est un couteau. Ok, je mémorise que le couteau est là pour Rebecca. C'est... Ok. J'ai fait les sous-sols. Au niveau de rez-de-chaussée, j'ai pas tout fini. Oh, attends. Attends. Encore que. Je suis embêté parce que la clé est jaune feu. J'aimerais l'avoir. Faut que je mémorise que j'ai pas fait la récolte dans l'aile. Ouest.
Là, c'est le flingue. Là, il n'y a plus rien. On est d'accord. Il y avait les corbeaux. Tac, 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 tac. Là, je perds du temps, malheureusement. Mais bon. Au moins, armée de certitude. Oh, punaise. Je me demande si... Attends. La pièce que j'ai loupée... La pièce que j'ai loupée... La pièce que j'ai loupée... C'est pas celle-là que j'aurais oublié de faire. Il y a du peuple ou pas? Non, je l'avais faite. Mais non, je l'avais faite celle-là. C'est pas là qu'il y avait la clé? Oh merde. Becca, merci. Autour du Billy. Ah, ça me bouffe. Elle était où la clé? Merde. Mais instinctivement, je l'avais trouvée, quoi. Ah, ça me bouffe. Et là, je sais plus. Je ne sais plus. Y suis foutu. C'est là où je vais avoir une pire note. J'aurais même pas un E de tout à l'heure. Enfin, de hier. Ça y est, je commence à gamberger et à douter là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tac, 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 tac. La bleue, la bleue, la bleue, la bleue. Ok, vas-y. Y a quoi d'autre? Ah, il y en a pour Rebecca. Rebecca, vas-y, ma grande. Ouais, on va faire la zone bleue, puis on n'en parlera plus. Ah, il y en a encore une bleue pour Obi. Merde, j'ai plus de place, ça y est. Je suis obligé d'abandonner un truc. Qu'est-ce que je fais? Je garde le flingue, le... Carte. Choix stratégique. Je suis là. La porte verrouillée, elle est à l'opposé. Ou elle est en bas? Je prends le risque. Ouais, allez, j'ai ce couteau là. Je sais où est l'autre couteau. Je prends le risque de garder le flingue avec 15 balles quand même. C'est la facilité. Mais voilà quoi. Arr. D'accord. Je veux pas de mauvaise blague du jeu. Je clique à mort, y a rien. D'accord, il n'y a plus rien. On est d'accord. C'est quoi ça? Ah ouais! Oh, c'est sympa. Je me souvenais pas qu'il y avait ça. Oui, j'ai redressé mon dos. Oui, t'as pas tort, Bastos. Merci. Okay.
image de Moscou. Oh mon dieu. Alors, il y en a pour Billy, il y en a pour Rebecca. Alors, chacun la vôtre. Par contre, j'envoie une verte, il faut que j'incarne Rebecca. Ouais. Ah, il y en a deux en plus des vertes. Mais non, mais je m'en moque de ça, c'est pas le moment d'avoir ça. Faut vraiment avoir le coup d'œil, hein. C'est vicieux. Hop. Et on a combien Rebecca dans les merdomes, pardon. 44, on est pas loin de la fin hein. 34 pardon, j'ai même plus compté. Non non, 34 tac 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 tac. Putain, on est déjà à 90 minutes d'essai. Non mais je vais me faire sanctionner sur le chrono. Il veut me dire vous êtes une limace. La moitié des points. Bah, faut un début et tout. Mais au moins, ça me permet de me prendre de mes repères. Donc, bah voilà, on a écumé les lieux. Les lieux de la porte bleue. Tac, tac, tac. Donc, le couteau est là. J'ai vraiment rien oublié ici. Oh. La truc brisée au sol, non, y a rien, y a rien. Message de FunFan 1992, le sage t'es où? Je suis dans l'obscurité. Non, mais en même temps, au niveau posture... Attendez, j'aimerais vérifier quelque chose. Je suis le buste en avant, donc je suis hors cadre de caméra. Donc je mettrai même la lumière là, vous verrez juste mon menton. Ça... Merde, il y a un truc là-bas au bout. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui brillait, alors que la porte est condamnée. C'est pour Rebecca, non? Ah! Oh là là! Et dire que j'aurais pu passer à côté. On est d'accord, la porte est condamnée. Hein. Voilà, elle est déclarée rouge dans la carte. Ok, Capuic. Là, il n'y a rien. On se croirait dans Tintin, dans Moulin Star. Ah, attention, sur le retour, faut pas que j'oublie la petite gemme verte pour Rebecca. Ah, ça c'est pour Rebecca. C'est toujours pour la demoiselle. Oh, bah là, elle en a plein. Alors là, elle peut s'en mettre plein des fous, mais c'est pour elle. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon là il y a le coup des plantes, mais non, plantes on n'en a pas besoin.
Non, mais non, c'est débile de dire utiliser. Alors, sur la sortie, il en reste une pour Rebecca. Tac, 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 tac. Au moins, on aura fait la partie, là. Dark Souls 2, je le recommande, mais c'est sûr qu'après, t'auras envie de dégommer des gens, mais bon, c'est un détail. Mon dieu. Bon, ici j'ai fait le ménage, que je sache. Non, attendez, 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 attendez. Faut que je révise la carte. Il en reste plus beaucoup, hein. Je sais qu'il en reste deux dans le hall. Donc il en manque 4. En fait, il me manque où est les salles feu. Ah, c'est terrible. Elle était spécifique, la pièce. Par le dessin de la carte, je vais essayer de la retrouver. Oui, bah c'est celle-là. Oui, c'est la... C'est la... la salle de réunion, la salle de réunion, la salle de réunion. Mais pourquoi elle est fermée? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'elle m'est indiquée verrouillée, c'est ça qui me rend fou. Ou alors c'est un bug sur la carte et c'est une fausse indication. Parce que la logique voudrait que j'aille là. Ou alors, dans mon essai, mon premier essai, j'étais parvenu à la déverrouiller et je l'avais fait cette salle. Bah oui, c'est la feu. Merde. Alors je suis bloqué parce que j'ai pas la clé. Merde, elle est où la clé feu? Je sais plus du tout. Voilà, je me fais entuber par la clé, en fait. C'est terrible. Si proche du but et échoué, c'est moche. C'est moche. Merde, j'avais trouvé tout bêtement dans mon premier essai. La chance du débutant, quoi. Elle était pas dans un vase, elle était dans quoi? Ah, merde. Elle est pas indiquée sur la carte. Dans les objets là. Tac 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 tac. Bon là il y a juste une plante. Là il y a quoi? Ouais non. Là il y a que puic. Sous-sol. Là que puic. Fusil. Oh, merde. Ah je m'en souviens un peu. Ah oh, c'est ballot. Où est la clé feu? Je l'avais trouvé par inadvertance. Pff, il y a de pupitre de contrôle. Ah là là, la tristesse. Dommage. Bah du coup il récolte celle-là. Hein. Ouais, vas-y. Hop, autour de Billy. Il va récolter la sienne. Ah merde. Est-ce que c'était pas du... C'était pas du côté de la cuisine? Je sais plus du tout.
Là, j'ai quoi? Oh, que c'est idiot. Les toilettes... Mais non, c'est pas aux toilettes qui m'auraient mis la clé. Je me souviens pas de ça. Je me souviens pas de ça. Ah, j'ai pas mémorisé la localisation de la clé. Que je m'en veux, que je m'en veux. Mais elle devrait briller, elle devrait scintiller quand on rentre dans la pièce. Parce que là, d'accord, ici il y a les végétaux. Et merde. Oh là là. Simaru, pardon, j'avais même pas vu parce que je suis concentré sur mon direct. Fais l'œuf et la poule. Si je contemple les cartes, où était la clé feu? Où était la clé feu? Je ne m'en souviens pas. Ça c'est nain. Couteau. Pistolet, là il y a l'artillerie lourde là. La clé feu, où est-ce qu'elle était? Aïe 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 aïe. Tac 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 tac, c'était pas là. Sinon je peux retourner côté cuisine, mais il n'y avait pas normalement. Tac tac tac. Le côté que j'ai fait. Et j'en viens, ouais, bah ouais, mais j'ai fait le nécessaire, quoi. Ah mince. Ouais. Non, là, il n'y a rien. On est d'accord que si je manipule la machine à écrire, il se passe rien. On est d'accord, il se passe rien. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est fermé, là, orné d'un machin. Ouais, mais... Où est la dite clé? Je sais plus. Ah, la maudite clé qui va pourrir ma tentative du week-end. Ah, c'est frustrant. Alors que j'ai pas eu d'empoisonnement par les araignées, c'est vraiment... Je suis tristesse. C'est bête, mais vous savez quoi? Je revisionnerai à l'occasion mon ralenti de mon premier essai, où j'avais miraculeusement mis la main sur la clé feu. Et je vais mémoriser. Et peut-être que je la retenterai dans la quinzaine. Pardon. Ce qu'on va faire, bah, c'est que je vais provoquer la fin du mode. Je vais prendre les deux dernières accessibles. C'est-à-dire celles qui sont sur les chaises, celles que je voulais garder pour la fin.
Mais comme j'ai merdé le coup de la clé, tant pis, on verra quelle note le nœud. Le nœud. Le. Ouais, le neuneu, c'est moi. Le jeu va me donner. Et tant pis. Je vais prendre la sortie du manoir, ce qui va provoquer la fin du mode. Je suis deg. Je sais plus où était la clé feu. Ce sera pour une prochaine fois, tant pis. Si j'arrive à diriger Rebecca. Et voilà. Hop. Allez dehors, ouais. Fin du mode. Tant pis. C'est dommage. Oh là là, si proche du but. La nuit des sangsues, ouais bah. Allez, mieux que le E, s'il vous plaît. Non! Oui! 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 Ah oui! Ah oui! Ah c'est bon! Ah, la note C, c'est mieux que la note E. Ah, ça fait plaisir. Vous avez obtenu l'objet de rang D, munitions de pistolet illimité. Ah, ça va être plus facile. Jetez un œil à votre pistolet en début de partie. Ah, tu m'étonnes. Vous avez obtenu l'objet de rang C, munitions de fusil de chasse illimité. Ça va défourailler en tandem. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Eh ben, je suis content. Eh ben, la prochaine, je vous le dis, je vous fais la même, mais avec les salles porte-feu. Et wouhou! Ah ouais, qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde sur 20 ou sur 19? Allez, je sauvegarde sur 19. Allez, hop. Waouh, 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 waouh. Ouh. Ah. Allez, pour l'occasion, je vais passer à la lumière artificielle. Je reviens. Deux minutes. Ah. Vous du Dieu. Et je reviens à ta précédente question, FunFan, dans le noir, j'avais peur quand j'étais gosse, jusque pendant l'adolescence. Merci pour les GG, merci. Et arrivé à l'âge adulte, c'est bon, j'ai su vaincre ma peur. D'ailleurs, c'était lié au fait que je faisais quasiment plus de cauchemars. C'est ça qui est beau. Si j'avais su vaincre mes craintes. Vas-y voir que je regarde un début de partie avec des munitions limitées rapidement. Et puis après on fonce sur le tableau mystère. Nouvelle partie. Ouais, on peut dire normal. Juste pour voir. Oui, vas-y, ok. Juste pour voir le délire en début de partie. Alors passons les cinématiques. Allez hop, direct dans le train, go. Mode speedrun, on sucre les cinématiques. Zou. T'as pouvoir défourailler gratos en illimité. Hein? Bah, il est où mon flingue illimité? C'est une escroquerie. Attends. Le sac qui clignotait là? Ou c'est moi? Ils sont éparpillés dans le... Non, ah non. J'ai cru que j'allais devoir me servir dans le premier truc, c'était la sacoche bonus. Non, pas du tout. Non, bah j'ai merdé, alors attendez. On vient à l'écran titre. Chargé parti. Si je charge la numéro 19, il se passe quoi? Ou alors c'est exclusivement avec le mode Wesker que j'ai le droit au flingue illimité ou quoi? Je ne comprends plus. Ou une fois de plus. Peut-être faire une fois de plus. Passe la cinématique. Wouh!
Faire un tour rapide en une fois de plus, ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Non, j'ai plus besoin de munitions de pistolet. Laissez. oui, laissez aussi de. Ah. Pour la joie de se défouler. Ah oui, partout. On tire partout. C'est offert par la maison. C'est horrible. Oui. Et donc, si je comprends bien. Ah oui, mais il n'a pas tout de suite le fusil, prout-prout. Billy, quand il est sauvé. Du coup, je me demande quand va être intégré mon fusil gratos, illimité. Mais je peux pas y entrer. J'insiste en plus comme un ego. Tellement que je suis content d'avoir le. Allez, je défouraille 2-3 zombies rapides pour le plaisir. Clic et tableau mystère. Et puis on se laissera glisser tout doucement chez l'ami Bastos. Ah, ah bah je suis content. Bon ça va. C'est terrible le coup de la clé feu. Je pense que si j'avais fini les dernières salles et que j'avais eu la totale, j'aurais eu le rang B. Mais ce sera pour la prochaine fois. C'était encore en postier, tiens, il avait encore son costume en. Voilà. Oh c'est bien quand t'as pas à recharger. Oh le confort. C'est trop bien. C'est bête, mais c'est en partie cette désinhibe du stress. De dire que j'ai des. Enfin, que t'as des munitions illimitées et que t'as pas à recharger. C'est ouh, trop bien. Oups. Voilà, hop, il est mort. Il tient quelque chose dans ses mains, je sais plus. On s'en fout. J'en ai un illimité. Bref. Et Billy, c'est plus tard Billy ou je peux déjà l'incarner Billy? Ah non, c'est plus tard Billy. Ah merde. C'est peut-être quand je vais sur la clé restaurant à l'opposé. Parce que il démarre avec un simple flingue, mais oui, il est prisonnier. Il peut pas avoir un. Oh merde. Il peut pas avoir un. Un fusil à pépon directement sur lui quoi. Je me dis. Oula, oula. On va pas croire qu'il va pécho comme ça, M'selle Rebecca, le coquinou. Allez, go. Bon, va falloir faire le point sur le dit tableau. Mister. Ah, encore une scène. Tac, 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 tac. Et normalement, je déverrouille en face. Oui, non, non, oui, non, non, oui. Voilà, bah, voilà, j'en ai plus besoin. L'acheter, vas-y. Hop, go. Ah là là là. Et c'est pas là que j'en compte Billy, je sais déjà plus. Cinématique, on s'en fout. Passe. Ah! Ah, sauf que j'ai pas le droit tout de suite de l'incarner. Bon, c'est pas grave, on verra ça une autre fois. De toute façon, c'est sauvegardé, c'est cool. Éteindre système, éteindre système. Alors. Passons tranquillou pour les 10 dernières minutes au tableau mystère. Coucou! Je me suis trompé de plan. C'est ça. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, nous. Alors. Je vous disais que normalement c'est le Gugus en salopette rouge qui n'avait pas été trouvé. Alors, laissez-moi le temps de rouvrir le tableur, le navigateur, pour voir la liste de vos réponses. Parce qu'entre-temps, à mon avis, vous m'avez bombardé de réponses. Hop là. Voilà, qui me charge ma suite bureautique, le LibreOffice. J'aurai accès aux bonnes réponses. Oui, t'as bien fait de la. Enfin non, c'est pas. Oui, tu t'es planté. C'est pas cote. T'as oublié le ad encore. Merci pour le clip. Ouais, fun fan.
Mais si vous voulez l'ajouter textuellement, c'est n'oublie pas le add. Point d'exclamation, cote, espace, add, suivi de ta phrase. Qu'est-ce que je voulais? Je pourrais presque me déclarer le temps que mon tableur se charge, comme quoi on est passé en mode discussion. Hop, rapidement. Pour être dans les règles de l'art de Twitch, je vais dire just chatting, et puis voilà. Hop, discussion, on est sur le tableau mystère. Tableau mystère. Alors, Spook? Non, j'aurais pas dû faire ça, idiot que je suis. Si je me saborde la lecture des réponses, ça va pas le faire. Alors, ah oui, puis il y a le coup d'un ancien tableau mystère où Twinsen m'a répondu Panic in the Park en me disant, mais c'est un autre titre d'une bonne réponse que je t'avais déjà donnée, il conteste. Alors je mènerai l'enquête hors antenne, mais c'est bien la réponse que j'attendais dans le précédent tableau, c'était bien Panic in the Park, vous vous souvenez, la dame au médaillon. Donc je te recontacterai en privé, Twinsen, pour ta bonne réponse. Ouais, parce que oui, si je le fais maintenant, je vais perdre du temps. Quelle est la dernière réponse que j'attends? Je sais même plus. Je sais même plus, je sais même plus. Tac, 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 tac. Je crois que c'est ça. Oui, que oui, c'est ça. Qui m'avait pas été répondu convenablement. Ah oui, le mec en salopette, ok, c'est un jeu à double titre. Oui, c'est possible. C'est possible. Alors attends. Oui, je vois des réponses intéressantes. Je vois des. Ah oui, ok. Oui, donc t'as mis le ou en fait pour préciser. D'accord. Et bah tu me l'apprends. Merci. J'ai noté que c'est Baldiz aussi. Ok. Et je vais donner à qui de droit les bons points. Parce que plusieurs m'ont répondu. Ok. Effectivement, si je demande Baldiz sur Internet, je regarde. Wow, mon navigateur, merci de me répondre, mon cher navigateur, en temps et en heure. Et ce serait le même jeu, en fait? D'accord. Attends voir. Je regarde rapidement. Alors pourquoi il aurait changé de jeu? D'un côté, il aurait été Baldiz, et de l'autre, il aurait été le Skullcaps. C'est ça qui est bizarre. Si je demande Skullcaps, whoop, voilà, histoire de bien l'orthographier. Oui, le game, pas la vraie coiffe. Est-ce que pour lui, c'est fait par Creative Edge Software, alors que l'autre, c'est Creative Edge Software. Donc ça se tient. Ubisoft Atari. Jaguar. Ah ouais, d'accord, ça aurait été une réédition. Skullcaps, machin. Ah oui, Baldi, Skullcaps, effectivement. Ils sont chiants de changer de nom pour une même œuvre. Je croyais que c'était une œuvre concurrente, moi, du coup. Ok, merci de la démonstration, Tunsen. Ça, c'est chiant. Ça m'aide pas pour les tableaux mystères. Qu'un nom double soit affecté à une œuvre, c'est vraiment chiant. Bref, les points. Les points, les points, les points, les points. Oui, il faisait penser. Ouais, bien joué, Bambassos. Oui, c'est bien. Il faut aussi le jouer comme ça. Alors, attendez voir. On est le 30. 01-22. Bah c'est bien, ça veut dire qu'il va y avoir un autre tableau mystère. Donc j'ai eu la bonne réponse par Twinsen, j'ai eu la bonne réponse par Bambastos.
Vous, je vais déjà vous attribuer chacun 500 points. Alors, cadeau. Bambastos. Si. Hop là, voilà. 500. Toc, 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 toc. Twinsen. 500. Ok. La suite. Des réponses. J'avais eu quoi, moi? Tac, 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 tac. Oui, et puis il y avait l'histoire du Panic in the Park pour la dame. Mais c'était un ancien tableau mystère. Je me le garde de côté. Je ne t'inquiète pas, Twinsen. Je vais te donner tes 500 points, mais hors antenne. Parce que moi, il va falloir que je me relise sur un précédent tableau. Ou alors, j'aurai peut-être le temps de le faire à chaud, à l'antenne, quand j'aurai lancé le raid vers Bambastos. Là, je vais faire le tirage d'un autre tableau mystère. Donc, je me prépare pour l'exhibition d'un nouveau. Clac, 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 clac. On va faire le tirage à la roue. Je retire les déjà trouvés. Bien joué. Vous êtes des chefs. La roue, la roue, la roue. Alors, chiffre des dizaines. Par la magie du démon, je suis un ego, puisque j'ai pas lancé l'application qui me permet de lancer la roue. C'est pas malin. Elle est où? Elle est là en plus. C'est vrai que j'avais oublié. Faut que je fasse comme ça. Spin wheel. Tournez la roue. Si l'application veut bien se charger. Chiffre de dizaines. D'ailleurs, je peux mettre de la musique. Je suis idiot, moi. J'ai rien mis en musique. Musique. Voilà. Chiffre des dizaines. 9. Ça peut pas être possible. Je rappelle que j'ai que 70 tableaux environ. On recommence. Chiffre des dizaines. Ah, 6. Unité. 60. 60. Est-ce qu'on a déjà fait le 60? Je remonte dans mon historique des tableaux. Ah, on a déjà fait le 60. On recommence. Ça fait l'œuf et la poule. Ah, alors que Bambastos a commencé à lancer son direct. Bon, bah ça va être vite fait, c'est bien. Dizaine. 5. Unité. 50. 50. Ah, oh, bah décidément. On fait des chiffres ronds. Est-ce qu'on a déjà fait le 50? Oui. Ah putain, on l'a fait le 22 janvier dernier. Merde. Ah, mais c'est un cauchemar. Chiffre des dizaines. 6. 63. Alors, 63, est-ce qu'on l'a déjà fait? Je remonte mon tableau de... Oh, ah oui, le 63, c'est le tout premier qu'on ait fait, souvenez-vous, le 1er janvier, avec le coup de la moto GP500 et EG Club. Et ben, vous savez quoi? On refait un tirage. Dizaines, c'est la folie. 0. 0 et chiffre des unités. 8. Est-ce qu'on a fait le tableau numéro? J'en peux plus déjà. Non, on n'a pas fait le 8. Oui. Allez, exhibition du 8. On y croit. Oh là là. Mais c'est n'importe nawak. Allez, zou. Tac. Le 8, il est où? Vite fait, bien fait. Allez, Vlan, dans les dents. Allez, zou. 4 jeux. Oh, facile. Oh là là, ça y est, vous êtes déchaîné. Il va falloir que je le mette illico presto dans mon disco, dans mon disco, dans mon Discord. Ouais, dans mon disco avec la boule à facettes. Oh mon Dieu. Ah, la folie. Allez hop, tout de suite, je regarde mon tableau mystère dans le Discord. Au moins, je vais mettre ça à jour. Allez hop. Clac, quick. Actuellement c'est le 8. Tac 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 tac. Hop là, ça c'est fait. Je balance le 8. Il est 18h. On va rejoindre Bastos, ne vous en faites pas. Mince, je suis dans mes photos de chariot de mine là. C'est ici l'image que je veux déposer. Voilà.
analyse pour vous qui êtes chez vous en bas de votre écran. Je vous laisse déposer vos réponses. Je programme immédiatement le raid chez l'ami Bombastos et je compterai les points la semaine prochaine. Allez-y, tout le monde a sa chance de gagner. Wouh ! Ah, c'était la folie. Eh ben, merci à vous. C'était un week-end mémorable, j'ai envie de dire. Parce que la nature est cruelle, oui, c'est vrai. merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci si relais de chaîne, je sais plus, pardon. S'il y a eu des choses, merci à toutes et toutes. Que dire ? On a fini Resident Evil 0. On est à rien de finir le comment on appelle ça, l'île mystérieuse Killing Time avec l'Egypte. Je vous le termine le week-end prochain, j'en suis quasiment certain. Et on a bien avancé dans mon FPS favori actuel qui est Corridor 7 avec les extraterrestres. Bisous tout plein, prenez soin de vous. Faites attention encore avec le mauvais temps, le givre, si vous prenez le volant cette semaine. Gros bisous, on se retrouve tout au long de la semaine. Moi je vais aller chez les copains, hein, dont FunFan. Et merci, bonne fin de journée, bonne continuation. Et puis moi je vous dis samedi prochain, 9h. Ciao ciao, bisous. Wouh, c'était génial. C'était cool. Merci pour tout, merci les copains, bisous bisous. Allez, chez Bastos, chez Bastos. Ça va parler catch. Sur le ring, troisième corde. Allez, zou. Ah, et puis je reviens faire toi en message privé, mon cher Twinsen, pour le Panic in the Park. Je fais le point dans 5 minutes. Et ceux qui regardent sur YouTube et les anonymes, merci à vous. Vous aussi, hein, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.